C'est parti, on va ouvrir ça tout de suite. Donc je fais ça un peu à l'arrache, mais je suis tellement pressé de l'ouvrir. Allez, let's go. En tout cas, je peux te dire que c'est bien protégé. Ça fait plaisir. Alors pour info, je ne l'ai pas commandé sur Amazon, hein. Je l'ai commandé sur eBay. Hop. DHL, ils n'ont encore pas fait leur boulot comme d'habitude, mais bon, je t'expliquerai ça plus tard peut-être. En tout cas, je vais te dire que c'est bien protégé, tu vois. Déjà deuxième couche, troisième couche. Allez. Voilà. Ensuite, quatrième couche. Ça rigole pas, hein. Mais en tout cas, ils ont bien bossé les mecs, ils ont bien protégé vraiment. Il n'y a rien à redire là-dessus. Hein. On n'est pas chez vente privée. Chez showroom privé, pardon. Si tu peux revoir ma vidéo que j'avais fait avant. Là. Voici donc mon nouveau petit bébé. Il est juste ici. C'est le Spark, donc voilà, avec sa manette. Donc comme ça, je suis tranquille au niveau de la portée et tout. Bah écoute, on va l'ouvrir tout de suite parce que j'ai quand même envie de voir à quoi ça ressemble, hein. Il y a bien la petite étiquette là. Hop, pour la garantie. Donc ça veut dire qu'il n'a pas été ouvert. Donc il est véritablement neuf. Hop, là, hop, allez. Alors après là, il y a le chargeur, je pense, dans l'autre boîte. Le petit truc qui va bien là. Hop, play. Voilà. Et donc on va l'ouvrir. Alors je ne sais pas s'il est à l'endroit. Ah, DJI. Je vais l'ouvrir. Waouh! Je l'ai pris rouge lava. Il claque sa mère. Il est magnifique. Putain, il fait. Alors on pourrait croire, tu vois, il est gros comme ma main. On pourrait se dire, ouais, c'est super léger, c'est encore de la camelote, mais le poids qu'il fait, ça sent qu'il y a du matos dedans, c'est pas de la rigolade. Hein. Déjà, juste le poids de la batterie, c'est vraiment terrible. Je vais te faire des vidéos d'un peu plus près. Waouh! Putain, ça voilà, ça c'est un vrai drone. Ça, tu vas pouvoir faire des trucs. Là, hop, le petit gimbal sur deux axes, donc horizontal et comme ça. Donc, ensuite, qu'est-ce que je vais. Il y a même la petite sacoche, tu vois, pour pas qu'il prenne l'humidité. La pile est juste là derrière. Je vais faire la mise en route tout de suite après. Voilà. Oh putain, ça c'est la classe. Putain, là c'est du matos. Là c'est du matos. Maintenant, alors du coup, maintenant, on va ouvrir la télécommande, tu vois, qui est juste ici. La radiocommande. Hop, là. Donc la radiocommande, elle est aussi rechargeable. Donc ça c'est nickel. Hop, alors attends, elle va s'ouvrir comme ça. Voilà. Et là, alors attends, on va voir un peu à quoi ça ressemble. Là, tu la vois juste ici. Je vais la sortir. Putain, ah ouais, non, mais attends. Là, oui. Ça, c'est du matériel, mon pote. Là, on n'est pas. Ah ouais, c'est clair. Putain, c'est. Oh là là. Le toucher, là, il est soft. Il est. C'est antidérapant. C'est waouh. Et puis, le poids qu'elle fait, il y a déjà la batterie et tout dedans. Tous les. Bon, ouais. On n'est pas sur le Ishii 58, là. Hein. On est vraiment sur quelque chose de. Voilà. Et puis, les antennes, elles servent vraiment d'antennes. C'est pas. Il y a quelque chose dedans, quoi. Hein. On n'est pas sur les Chines. Oh, le top. Franchement, génial. Génial. Super. Waouh. Je vais pouvoir te faire des petites vidéos, là. Tu vas voir ça. On va essayer de faire des trucs sympas. Ça va être vraiment top de top. Voilà. Bah, écoute, ce que je vais faire, je vais te laisser là pour l'instant. Je vais l'essayer. Je vais te passer un peu le truc. De mise en route parce qu'il faut l'activer machin sur DJI et tout, donc ça c'est pas la peine que je te fasse voir ça. Et puis donc voilà, et je te ferai directement un petit test en vol, te montrer un peu tout ça, le décollage et tout, une fois que je l'aurai un petit peu en main. Bah toi, tu pour toi ça change rien, ça va être tout de suite en fait, hein. Allez, on y va. Bon, comme promis, me voici pour le test du Spark. Il est là, tu vois, juste ici, là. Mon petit Spark, et je vais le faire voler là. Alors la première vidéo, ça sera peut-être chaotique, pas terrible, mais je vais essayer de le faire voler là au-dessus du lac du Bourget. Alors dans ce niveau-là, j'ai le droit, hein. Toute la partie là-bas, j'ai pas le droit parce qu'il y a l'aéroport. Mais là, normalement, il n'y a pas de souci, je vais avoir le droit. Donc on va être parti pour faire décoller le petit Spark.